Salut à tous, c'est Mr. Freeze. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Suikoden 2. Ah, attendez, je vais baisser le son de mon casque. J'aime la musique, mais j'ai plus d'oreilles là. Alors, donc, on s'était laissé sur... C'est quoi ce bordel? Oui, on s'était laissé donc après la bataille. Et on allait, enfin, Victor allait nous raconter l'histoire de Papy Genkaku, donc je vous rappelle que c'est optionnel. Faut aller dans le bar et parler à Victor, donc on est avec Nanami, hein. Alors cette vidéo, je l'enregistre avec mon PC fixe, hein, donc... Normalement, j'aurai plus de problème. Bah ouais, parce que sinon la vidéo sert à rien, donc on va dire oui. Donc oui, c'est assez long, ça devrait faire la vidéo en théorie. On va enfin savoir qui est notre grand-père adoptif. Donc Annabelle, hein, celle qui a été assassinée par Joey. Je parle pas beaucoup, hein, je vous laisse profiter. Donc lui, hein, Gareth Blight, c'est donc du coup le père de Lucas Blight, là, le grand méchant du jeu.
Au moins, il aura épargné son ami. Et Nanami n'a rien écouté. Non, en fait, je m'étais bien trompé, ça prend pas la vidéo entière pour ça. Alors, donc après l'histoire de Genkaku, là, normalement dans le jeu, on est un peu trop loin, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, bah, je vais vous le lire. C'est un peu le but des vidéos. Alors, on va descendre. Et en fait, il faut faire comme si on sortait du château. Attendez que je me trompe pas. Je dis de la merde. C'était pas tout de suite. Mais bon, faut pas m'en vouloir. Nous sommes le 2 janvier. J'ai pas décuvé du 31. Je déconne. Alors. Ben on va retourner à la salle de réunion. De toute façon, en général, dans Suikoden 2, quand on est un peu paumé, il faut aller à la salle de réunion, et en général, c'est là qu'avance l'histoire principale. Là, on en a un point dans le jeu où on va pouvoir faire pas mal, pas de quêtes secondaires, mais de choses annexes, du recrutement surtout de personnages. Alors, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il nous demandait si vous voulez qu'on soit le chef de l'armée, du coup. Donc on dit oui, ça sert à rien de dire non dans ce genre de jeu, de toute façon. On est obligé de dire oui. Lord Mr. Freeze. Ça fait un peu bizarre, hein? Parce qu'il y a un Lord et un Mister en même temps. J'avoue, amener la bouffe. Et donc là, on retrouve Yuan. Alors, il me semble que ce perso, on l'avait vu vite fait au début du jeu. Voilà, elle, on l'a vu. C'est sa fille, il me semble. Donc, Anne, c'est en gros le médecin. Le médecin du groupe. De toute façon, c'est remboursé par la sécu, donc c'est pas un problème. Voilà, et donc on a deux nouveaux compagnons. Bien sûr. Bon, alors là, il va falloir réfléchir un peu. On a appelé l'armée Daily comme Dailymotion.
C'est un peu con de faire ça finalement, parce que si un jour Dailymotion n'existe plus, et que je dois migrer vers une autre plateforme, j'aurai l'air con. Alors comment je peux appeler le château? J'aurais dû vous demander des propositions à la vidéo précédente. Je vous avoue que je me rappelais pas qu'il fallait nommer le château. Comment qu'on peut l'appeler? Château. J'ai trouvé un jeu de mots à la con dans ma tête là. Non, je vous avoue, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Bon allez, Yeti, je sais c'est pas original, mais on va pas rester 2 heures là-dessus. Donc le château Yeti. Je trouve ça le fait, ça le fait. On peut pas le renommer, hein, il me semble. Donc... C'est pas grave. Allez. Yeti avec une étoile, tiens. Et un triangle et une croix. Non, je déconne. Bon, les Yeti normal. Sans accent. Allez. Ah, j'en étais sûr. Celle-là, ça fait vraiment con quand c'est lui qui dit quoi. Attends, c'est quoi le nom du château? Parce que là, je suis pas sûr de le savoir. Ils l'ont décrit 8 fois. Donc, Kel, il me semble qu'on l'avait déjà vu lorsqu'on a eu le rune bouclier et que Joey a eu la rune épée noire là. Voilà, donc là on va avoir un nouveau personnage, Luke, qui est très puissant. Il a le rune vent, il me semble. Donc ça fait déjà 3 persos de plus, hein. La Knat, elle est pas recrutable, hein. C'est juste pour le scénario. Alors ça, bon, en fait, il les connaît parce que Luke, Victor et Flick, ils sont tous les trois dans Suikoden 1. Ils sont sérieux là? Et le poulet rôti? Le foie gras, les huîtres? Je crois que c'est Pikeni qui avait fait une remarque sur les sprites. Les sprites, pour ceux qui savent pas, c'est en gros le visuel des personnages dans un jeu 2D comme ça. En fait, ils font 4 poses, c'est-à-dire. Enfin, non, 3. Une de côté, une de dos, une de face. Parce que côté, c'est la même inversée. Hein. Ouais, c'est marrant parce que quand ils sont couchés, ils sont debout dans le lit en fait. Ils sont pas mal la petite astuce. Alors maintenant on a le bureau du docteur ici. Non, je dis de la merde. C'est le bureau de Chou.
Ah, le bureau de docteur, je crois qu'il est à l'étage d'en dessous. Non, je sais plus. Peut-être au-dessus. Donc ouais, le château est assez grand, il fait... Bah tiens, je sais ce que je vais faire dans cette vidéo. On va faire une mini-visite. Donc c'est peut-être pas trop intéressant, mais c'est important quand même. Une mini-visite du château. Ouais, je me disais on va partir d'en bas, mais non, en fait, ça sert à rien. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein. Voilà, on peut sortir là. Qu'est-ce qu'il faut là, lui? Voilà. Donc là, on est dehors, on a une espèce de terrasse. Bah tiens, il y a Zamza là. Hop. Donc là, on a une terrasse. Il me semble qu'il y a un jardin. Ah, mais je suis con, c'est au rez-de-chaussée. Donc ça, c'est un des kobolds là. Oui, l'espèce de chien, c'est des kobolds. C'est une race d'ailleurs qui existe dans pas mal d'autres trucs de Heroic Fantasy, bah Warcraft par exemple, il y a des kobolds. Bon, ils ont pas la même gueule, mais bon, c'est un peu la même chose. Voilà, donc il me semble qu'il y a 3 étages en tout. On va descendre tout en bas. Voilà, là on est au rez-de-chaussée. Là il y a une espèce de sous-sol avec un port. Bah ça on le verra plus tard, hein, vous verrez, parce qu'on va bientôt avoir des persos qui ont un bateau. Ça c'est quoi déjà, la prison? Ouais, c'est ça, la prison. On a... Alors ça je sais plus ce que c'est, un cimetière ou un truc du genre. Ouais, c'est ça. Ah, ils sont cassés le cul, hein, quand même sur... Alors, je sais pas si on peut voir les noms des gens morts dans le scénario, c'est une bonne question. Y en a un qui s'appelait Tombe, apparemment. Je dis vraiment de la merde. Bon, alors. Voilà, moi... ouais, peut-être qu'on voit les persos morts du scénario, j'en sais rien, je vous avoue, j'en ai aucune idée. Je me pose des colles toute seule. Tout seul. Je suis pas une femme, hein. Alors, voilà, donc là, on a le rez-de-chaussée, il y a 3 étages. Enfin, il y a le rez-de-chaussée et l'étage 1, l'étage 2, quoi. Si on va à droite, au rez-de-chaussée, qu'on continue, voilà, et qu'on retourne à droite, là, on a un jardin. Donc, on va vraiment avoir un jardinier, hein, plus tard, qui me semblait optionnel. Voilà, et là, vous voyez, il y a un enclos, parce qu'on peut recruter non seulement des personnages, on peut aussi avoir des graines de légumes et du bétail. Alors, par exemple, mais c'est pas, comment dire, par exemple, si vous avez une graine de salade, c'est pas, c'est infini, quoi. En clair, si vous avez 2 graines de salade, bah, vous avez 2 salades tout le temps, quoi. Voilà. Et à quoi ça sert le bétail, les légumes, tout ça? Bah, ça sert à un mini-jeu de cuisine bah, que je vous montrerai plus tard, parce que de toute façon, on n'a ni le cuisinier, ni le berger, ni rien là. Voilà, je pense que vous voyez à peu près à quoi ressemble le château. Là, c'est là où on était tout à l'heure, en fait. Donc, en gros, ouais, il y a un gros élément principal. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des sorties, des entrées partout, donc c'est assez chaud de pas trop un chemin. Là, normalement, ça mène dehors, près des magasins. Bon, là, dehors, il y a des magasins. Donc là, vous voyez, c'est vide pour l'instant, il n'y a rien. Mais plus tard, ça servira à avoir des boutiques dans le château. Enfin, le château, c'est une ville, hein. Clairement, c'est une ville, c'est-à-dire qu'on va tout avoir, tout ce qui se trouve dans la ville, même plus. On aura un forgeron, un marchand d'armure, un marchand d'objets, et qu'on peut justement améliorer. En fait, c'est ça qui est bien dans les Suikoden, c'est qu'on a un espèce de mini-jeu de gestion dans notre QG, quoi. Voilà, donc, et puis après il y a la partie gauche. Non, il n'y a rien à gauche. Je sais plus. Bref.
On verra plus en détail le port, ça je vais pas vous le montrer parce qu'on va bientôt le voir. Et là au centre il y a Luke. Et on peut voir ben, justement tous les personnages qu'on a recrutés. Donc ils ont tous un nom, hein, étoile, machin, le truc. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, c'est le japonais. Mais en gros, il y a 108 étoiles. Donc on va pas toutes les compter, hein, mais. Allez, on peut les voir comme ça. Voilà. Enfin bon, bref, je peux pas tout vous les montrer. Et au fur et à mesure qu'on débloque des étoiles, on a des nouveaux trucs, etc. Par exemple, là, vous voyez en haut, il y a une statue. On pourra créer des statues pour avoir des objets. Il y a le truc de cuisine dont je vais parler, etc. Voilà. Et bah, ce que je vais faire. Là, vous allez vous dire, qu'est-ce qui branle la tourne en rond là? Bah, je vais remonter et sauvegarder. Parce qu'en fait, justement, si on sort, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure, si on sort, ça continue le scénario principal. Donc bon, cette vidéo était pas très très palpitante, on va dire. Et bon, il y a eu l'histoire quand même de Genkaku qui est sympa. Mais à part ça, oui, je vous ai juste fait visiter le château, mais c'était pour vous montrer, hein, vu qu'on l'a maintenant. Autant voir à quoi il ressemble. Donc on va se retrouver la prochaine fois pour la suite du scénario. Et maintenant, on peut commencer, bah, maintenant qu'on a les plaques là, les plaques avec les étoiles qui s'enregistrent, on peut commencer à faire des recrutements de personnages. Et là, vous allez voir que c'est là tout l'intérêt de la solution en vidéo. C'est de pouvoir recruter toutes les étoiles, donc qui sont les 108 personnages. Sachant qu'il y a dans le jeu 3 fins, et que bah, la meilleure fin, on peut l'avoir qu'avec les 108 étoiles. Et certains événements. Enfin, vous verrez ça plus tard. Je vous souhaite... Bonne matinée, après-midi ou soirée, selon le moment où vous regardez la vidéo. Ou nuit, ou bonne nuit. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!